Cette semaine, on fait un point sur la mise à jour de mai qui vient tout juste de sortir. Et vous allez voir, vous allez adorer. On commence par les améliorations dans les interactions avec vos amis. Vous l'avez demandé, vous l'avez eu. Dès à présent, vous avez la possibilité d'envoyer des messages vocaux tout en jouant. Et on va le voir, c'est très simple. Tout d'abord, lancez l'application Messages. Ensuite, sélectionnez le contact. Et enfin, cliquez sur l'icône de micro. Bien entendu, assurez-vous d'avoir un micro ou Kinect branché pour que cela fonctionne. Vous pouvez même échanger des messages avec vos amis qui jouent sur Xbox 360. Génial, non? Des serveurs dédiés au chat de groupe sont mis en place pour résoudre les problèmes de communication liés au NAT. Si des amis ont des soucis de communication NAT, un serveur prendra le relais automatiquement afin d'améliorer le chat pour que tout le monde puisse interagir normalement. On finit par une mise à jour sur l'application Smart Glass pour Xbox One. Désormais, vous pouvez allumer et éteindre votre Xbox One depuis votre smartphone, votre tablette ou votre PC. Une seule condition, être sur le même réseau local que la console. Depuis l'application, vous avez juste à cliquer sur « Se connecter » et sélectionner votre Xbox One. Ici, vous pouvez l'activer ou la désactiver à distance et autant de fois que vous le voulez. Et si vous n'avez pas encore l'application, allez la télécharger tout de suite. Voilà, on vous laisse tester tout ça et vous amuser avec votre Xbox One. Bon jeu et à très vite! Vous voulez suivre l'actualité de la Xbox One? Eh bien dépêchez-vous et abonnez-vous à la chaîne Xbox FR! Et pour voir ou revoir d'anciennes vidéos, cliquez sur les vignettes. On vous attend sur les réseaux sociaux pour découvrir, réagir et partager avec Xbox.